Coco le narcotrafiquant, et l'actuel chef des renseignements généraux de la DGSN. Pourquoi les Kouninefs refusent-ils l'aide de leur deuxième pays, la Suisse Comment l'ami intime de l'actuel chef des renseignements généraux de la DGSN marchandait avec les réseaux de la drogue, Abba Beloued L'entourage du contrôleur de police Benietou Bézian, d'Islimane, l'actuel directeur des renseignements généraux, DRG, de la DGSN, entretient des relations très troublantes avec les milieux du narcotrafic, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Benietou Bézian, est l'ami intime d'un certain Mouloud Marilia, ex au cadre de la police judiciaire dans la Wilaya d'Alger entre 2007 et 2008. Cet officier de la DGSN avait également travaillé à la police judiciaire de la Wilaya de Tipazak, avant d'être promu chef de la sûreté de Wilaya d'El Bayad. Il a été remplacé dans ses fonctions le 14 septembre 2019 par le commissaire divisionnaire, Amor Hammer. Mais durant toute sa longue carrière, Mouloud Maïlia entretenait une amitié solide avec Benyatou ou Béziane d'Isliman. Il s'avère que Mouloud Maïlia comptait également dans son entourage un par un de la pègre de la drogue très influent de la place de Bab-el-Oued. Il s'agissait du tristement célèbre Zéguane, qui dirigeait un important réseau de vente et de commercialisation de drogue dans les quartiers populaires de la capitale. De nombreux dealers de Bab-el-Oued travaillaient sous sa coupe. Dans le milieu du narcotrafic, on l'appelait Coco. Les frères Kouninef ont subi des pressions pour empêcher les autorités suisses d'intervenir dans leur dossier. Le mystère entoure toujours le dossier des frères Kouninef, de richissimes milliardaires et amis très intimes des Bouteflika. La justice algérienne traite ce dossier avec énormément de lenteur et aucun procès des frères Kouninef n'a été programmé par le tribunal de Sidi Mamed, où les frères Kouninef ont été placés sous mandat de dépôt le 25 avril 2019. Selon les investigations d'Algérie Par, l'enquête sur les affaires des frères Kouninef tourne au ralenti, et aucune avancée notable n'a été enregistrée dans l'instruction judiciaire. Pis encore, certains éléments de ce dossier ont été sciemment passés sous silence, au regard de leur caractère très sensible. Mieux encore, les autorités suisses ont tenté de se mêler de ce dossier pour comprendre ses dessous, mais en vain. En effet, Reda, Karim et Noa Kouninef sont des ressortissants suisses. Ils sont nés en Suisse de mère suissesse et de père algérien. Ils ont longtemps vécu dans la région de Lausanne en Suisse. Et ils ont grandi entre les deux pays où leur père, Ahmed Kouninef, faisait des affaires en Algérie depuis les années 70. Saisies par leur mère, Liselotte Kounineff, les autorités suisses ont instruit leur ambassade à Alger de porter assistance à ces ressortissants suisses emprisonnés à l'arrache conformément aux mesures préconisées par la loi suisse et les usages diplomatiques. À cette reprise, des délégations dépêchées par l'ambassade suisse à Alger se sont rendues à la prison d'El Arach pour rendre visite et rencontrer Karim, Reda et Noa Kounineff. Lors des premières visites. Les frères koninef ont accepté l'aide et l'assistance juridique de l'ambassade suisse. Les autorités suisses ont pris attache avec les autorités algériennes pour leur réclamer tout le dossier judiciaire des affaires impliquant les frères koninef concernant l'obtention de plusieurs marchés publics dans des conditions très suspectes. Il s'avère, par la suite, que les autorités algériennes n'ont jamais voulu communiquer avec leurs homologues suisses et n'ont jamais souhaité expédier le moindre document judiciaire décrivant les démarches ou procédures entamées à l'encontre des frères Koninef. Bizarrement, ces derniers ont changé rapidement leur position et après avoir demandé l'aide de leur deuxième pays, Reda, Karim et Noah Koninef ont fini par dire non aux émissaires de l'ambassade de Suisse à Alger. Les diplomates helvétiques ont été intrigués par ce revirement. Lislotte ne comprend pas au début la position de ses enfants, et maintient son contact avec les autorités de son pays. Cependant, un des avocats algériens des frères Kouninef lui adresse un message envoyé depuis la prison d'El par Eda Kouninef. Arrête de parler avec les autorités suisses, tu nous enfonces. Plusieurs visites des représentants de l'ambassade suisse se succèdent à la prison d'Elara jusqu'au transfert des frères Kouninef à la prison de Coléa. Reda, Karim et Noa se murent dans le silence et ne veulent plus entendre parler du soutien juridique des autorités suisses. Côté Helvétique, une enquête est ouverte. Et plusieurs sources concordantes confirment aux autorités suisses que les frères Kouninef ont subi des pressions depuis leurs cellules, pour couper tout contact avec l'ambassade de leur deuxième pays. Cette situation inédite et incompréhensible a permis aux autorités algériennes de dissimuler le dossier des Kouninef. Un dossier dans lequel figurent plusieurs informations compromettantes sur des affaires très sensibles de l'État algérien. Il s'agit surtout du marché des sept hôpitaux militaires algériens qui ont été confiés à des entreprises et groupements appartenant aux frères Kouninef. Il s'agit de projets, dont le total dépasse les 700 millions de dollars, a-t-on appris au cours de nos investigations. Ces marchés ont été accordés aux frères Kouninef depuis 2013 par le ministère de la Défense nationale. Cependant, ces hôpitaux n'ont jamais été concrétisés. Pour quelles raisons Personne ne le sait et tout le monde ignore. Plusieurs autres projets dans le secteur militaire ont été accordés aux frères Kouninef. Et dans les PV d'audition, les frères Kouninef ont donné des informations très sensibles sur leur relation avec Saïd Bouteflika, mais aussi de hauts responsables militaires de l'État algérien. La fuite de ces informations en Suisse fait peur aux autorités algériennes, car elles peuvent constituer un danger pour certains hauts gradés ou dirigeants encore au pouvoir en Algérie. Est-ce pour cette raison que les frères Koninef ont subi des pressions pour qu'ils observent le silence avec l'ambassade suisse, Algérie par promet d'y revenir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.